J'ai d'accord. Dis-moi, tu viens de dire qu'elle est ta future femme. Oui. Ça veut dire qu'elle n'est pas encore ta femme. Oui. Incroyable, mais vrai. Une femme qui n'est même pas encore ta propre femme te donne son sac à main et te demande d'aller le déposer à l'étage. Mais ce n'est pas du tout un problème pour moi. Elle part à la cuisine pour te faire à manger. C'est toi qui portes le pantalon ou bien c'est elle qui le porte? Et s'il te plaît, je voudrais que tu me parles franchement. Alors c'est elle qui te commande? Dis-le-moi. Grand frère, non. Ce n'est pas elle qui me commande, pas du tout. Non. Elle m'a juste demandé un service parce qu'elle part te préparer de la nourriture. Elle n'est pas encore ta femme. Je suis sûr que c'est cette femme qui te commande dans ta propre maison. Pas de soucis. Elle viendra me trouver ici. Ok. Allez, vas-y, finis ton verre pour qu'on passe à table. Ah, ce repas est vraiment très très délicieux. Je suis contente que tu l'apprécies. Oh oui. D'ailleurs, seul un homme fou et stupide dirait que ce repas n'est pas délicieux. Oui. Seul un homme stupide ne saura pas que l'argent qui est dépensé pour préparer cette sauce ne suffira pas pour préparer trois différents types, je dis bien trois différents types de sauces, douces comme celle-ci. Et pourquoi est-ce que tu dis ça? Ce repas est spécialement préparé pour toi, mon frère. Oh, pour moi? Ah, je sais que tu es en train de faire les éloges de ta future femme. C'est juste qu'elle essaie de m'impressionner. J'ai l'habitude de manger des repas. Le fait qu'elle cherche à m'impressionner signifie qu'elle veut dépenser tout cet argent qui est dans ta poche. N'est-ce pas? Il est bon de dire la vérité, mon petit frère. Je suis un homme sincère, tu le sais. Grand frère, s'il te plaît, arrête de parler un peu et régale-toi, voilà. Je suis en train de manger, n'est-ce pas? Hein? Qui t'a dit que je ne me régale pas? N'est-ce pas ce que je suis en train de faire? Je suis en train de manger. Ça me plaît. Je ne veux pas me précipiter. Laisse-moi comme je veux. Désolé, je sais que je dérange un peu. La sauce est trop épicée. Aïe. Petit frère, regarde ici s'il te plaît. Suis-moi, on va compter les morceaux de viande. On compte... 2, 3, 4, 5, 6 et enfin 7. 7 morceaux de viande. C'est bien tout de même. Ok. Je savoure mon plat. Je mourrai de faim. Bébé. Je voudrais sincèrement te présenter mes excuses pour tous les propos déplacés que mon frère a tenus à ton égard. S'il te plaît, essaie d'oublier, je suis désolé pour tout ça. Je sais que tu t'es senti mal. Oh bien. Tu n'avais pas vraiment besoin de t'en excuser. Je le comprends parfaitement. Il a passé plusieurs années sans voir son petit frère. Mais ce qu'il ne comprend pas, c'est que j'essaie juste de faire ce qui lui plaît. Okay. Je ferai tout mon possible pour qu'il soit heureux. Pas de soucis. T'inquiète pas pour ça. Merci, mon amour. Merci d'avoir pris le temps de comprendre mon grand frère. Je pense que le fait qu'il ait passé toutes ces années dans la débrouillardise l'a beaucoup affecté. C'est la toute première fois qu'il vient en ville. Il lui faut encore assez de temps pour s'y habituer. Il va changer. Ça va. T'inquiète pas. C'est pourquoi je t'aime. Chérie. Je vais te faire un plat spécial, ouais. Vas-y, chérie. Je meurs de faim. Tu es un gourmand, toi. Je vais sucer tout ton sang. Hey! La honte. Vas-y, doucement. La honte. Vous n'avez même pas honte. Vous vous imaginez? Nos parents se cachaient
Il se cachait pour faire ce truc. Vous les enfants d'aujourd'hui, vous n'avez même pas honte de faire ça devant tout le monde. Vous vous mangez les bouches sans vous cacher. Vous ne pensez même pas que quelqu'un peut à tout moment vous surprendre. Vous n'avez pas honte de moi. Vous n'avez aucun respect pour moi, moi qui suis le grand frère. Regardez-vous, vous devez avoir honte un peu. Elle est en train de sucer tes lèvres, elle les suce. C'est ce que cette femme fait pour enlever toutes les substances et les éléments nutritifs qui sont en toi. Quand elle aura fini de tout sucer, tu deviendras comme un petit bâton. Ce que tu ne sais pas, c'est que peu importe la quantité de nourriture que tu mangeras, les légumes, les céréales ou tous les éléments riches en vitamines, rien ne pourra rester dans ton corps à cause d'elle. Elle va tout sucer, tout. Oui. Ah ah. Oh. Moi, je vais dehors. Faites ce que vous voulez. Repentez-vous des gens sans pudeur. Maison de Sodome et Gomorrhe. Écoute, bébé. Qu'on se repente? Pourquoi on doit se repentir? Calme-toi, mon amour. Je pense qu'il n'a probablement pas l'habitude de voir ce genre de choses. Il est juste surpris. Quand est-ce qu'il va arrêter de parler ainsi, dis-moi? Bébé, essayons d'aller doucement avec lui. S'il te plaît. J'espère qu'il va changer, vraiment. Écoute, à cause du fait que ton frère n'a pas de boulot en ce moment, on doit tout tolérer pour l'instant. Espérons qu'il va changer. Accordons-lui un peu de temps. D'accord, j'ai compris. Ne t'inquiète pas, chérie. Merci. Alors, puisque mon grand frère est sorti, on peut maintenant continuer ce qu'on a commencé? Continuer quoi? Bébé, écoute, moi je vais à l'étage parce que je dois me changer et aller au boulot. Qu'est-ce que tu dis? J'ai cru entendre que tu n'allais pas au boulot aujourd'hui. Vraiment? Ouais. J'ai changé d'avis. Bébé, arrête de faire cette tête. Voyons. Bébé. Ah. Un petit frère. Comment est-ce que tu vas? Ouais, je vais bien. Tu vas bien? Oh, il y a... en fait, il y a quelque chose de très important. Dont je voudrais te parler en tant que mon petit frère. De quoi s'agit-il? Arrête ce que tu es en train de faire et écoute-moi. Je te parle et tu continues d'appuyer sur ce manchet. Je te demande d'écouter pour comprendre ce que je suis sur le point de te dire. À vrai dire, je ne sais pas si... si tu le fais exprès. Je ne sais pas si tu le fais expressément ou tu le fais juste par négligence. J'ai donc décidé de te demander. Cette jeune fille, cette petite fille, pourquoi tu la laisses? Pourquoi tu la laisses toujours prendre la clé de ta voiture? Ce n'est pas une seule clé, mais toutes les clés de ta voiture. Elle se permet de prendre n'importe quelle clé pour sortir avec ta voiture. Pas sa voiture, mais ta voiture. Mais est-ce que tu ne sais pas que le fait de la laisser conduire ses voitures est très dangereux? Ce que tu ne sais pas, c'est qu'elle prend une voiture, ta voiture, pas sa voiture, pour transporter ses petits garçons et aller faire des conneries avec ses petits garçons dans ta propre voiture, est-ce que tu le sais? Grand frère, c'est ce que tu voulais me dire? Oui. Tu es en train d'insinuer que ma femme... Arrête! Arrête, arrête! Qui est ta femme? Quand je me mets à te parler des bonnes choses, alors ne m'interromps pas pour des bêtises. Ta femme? Quelle femme? Quand est-ce que tu l'as mariée? Tu l'as épousée? Depuis quand est-ce qu'elle est ta femme? Hein? Quand est-ce que tu as payé sa dot? Quand je veux te parler de quelque chose de très important, écoute attentivement et arrête de raconter des bêtises. Je te montre le bon chemin et toi, tu faut voir. Hein? Grand frère, ça va. Tu vois, là, je suis vraiment très occupé. Je pense que tu n'as plus rien d'important à me dire. Alors, est-ce que je peux continuer mon travail? Petit frère, tu es en train de dire que je n'ai plus rien d'important à te dire? Ou bien, tu es en train de dire que je raconte n'importe quoi? C'est donc ce que tu es en train d'insinuer? Tu penses que je suis insensé?
Tu veux dire que moi, ton grand frère, raconte des bêtises? Ah. Bonjour, madame. Juanita? Hey, mamie! Oh, Viola, ma chérie. Comment tu vas? Je vais super bien. Tu m'as manqué. Tu m'as aussi manqué. Alors, et le voyage? Le voyage s'est très bien passé. Tout le monde va bien. Toute la famille te salue chaleureusement, ok? Oh! Je sais qu'Amelia est maintenant une grande fille. Hé! Hey, si tu vois Amelia, elle est devenue une grande dame. Oh mon Dieu! Elle me manque énormément. Où est Larry? Il m'a dit que son frère était là. Ma chérie, son grand frère est là. Il s'appelle Steven. Tu le verras certainement. Ok, Steven, tu es là? Je te présente mon beau-frère, Steve. Alors, Steve, je te présente Diana, mon amie. Nous sommes plus que des amis. Elle est comme ma sœur. Oh, c'est bien. Je m'appelle Udoka. Udoka, le fils Nwagboso. Comment est-ce que tu t'appelles déjà? Diana. Daina, c'est le nom de ces gros camions qui transportent le sable. Oh non, 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 je m'appelle Diana. Oh, Diana de l'Angleterre. Oh, c'est bien. Sois la bienvenue. Bref, je vais vous laisser continuer votre conversation. C'est un nom anglais. Diana. Diana. Mon ami, bonjour. Je suis vraiment désolée. Je te jure, qu'est-ce qu'il est drôle, ton beau-frère. Waouh. Ma chérie, tu n'as rien vu pour le moment. Tu verras toi-même. Allons à l'intérieur pour l'instant. Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas appelée avant de venir, dis-moi, hein? Oh, en fait... Ne me dis rien. Il est vraiment très drôle. Ne lui en veux pas, s'il te plaît, ma chérie. Juanita. Je ne savais pas quoi faire. Je n'ai pas voulu réagir. On va bientôt se marier. Waouh. Et tu sais quoi? Personne n'empêchera cela. Personne. Ah, ok. Tu en veux encore? Attends. Ça va. Je vais te servir. Bon, enfin. Merci quand même. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que vous êtes en train de célébrer? Je sais qu'il n'y a rien. Il n'y a absolument rien, rien à célébrer. Qu'est-ce qui vous fait rire? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je pense que vous savez très bien de quoi est-ce que moi je suis en train de parler. Vous n'êtes plus des enfants, n'est-ce pas? Regardez ce que vous êtes en train de gaspiller, la richesse de mon petit frère. Et tu oses me demander ce que ça veut dire, mon œil. Vous buvez comme si... Alors, c'est votre plan, hein? Ou vos plans? Vous êtes vraiment méchant. C'est quoi toutes ces bêtises? Comment tu peux humilier mon invité de cette manière? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, dis-moi, hein? Qui est ton invité? Tu es en train de gaspiller la richesse de mon frère. Regarde, en plus, ce n'est pas une bouteille, mais vous avez déjà vidé 3 bouteilles. Qu'est-ce que tu me racontes? Oh, ce n'est pas ton plan. Ton plan, c'est de faire en sorte que mon frère soit ruiné complètement. Tu veux dilapider tous ses biens, hein? Juanita, qu'est-ce qu'il est en train de raconter, celui-là? Chérie, t'inquiète pas, je vais régler ça, d'accord? Ne t'en fais pas. Écoute, tu ferais mieux de dire à cette fillette de fermer sa bouche. Si elle ne se tait pas, je vais le faire à sa place. Ça ne va pas chez toi. Quand un homme parle, la femme ne doit pas ouvrir sa bouche. Regarde là, tu oses débarquer dans la maison de quelqu'un et tu te permets de parler comme tu veux, Toroto. Hein? Petite idiote. Steve, je vais me fâcher maintenant. D'ailleurs, ça suffit. Je dis, ça suffit. Vous avez assez bu. Je vais ramasser le reste de la boisson. Si tu es un homme, viens ramasser. Si je les ramasse, qu'est-ce que tu vas faire? Je te défie, viens ramasser. Qu'est-ce que tu peux faire? Essaye, tu verras ce que je peux faire. J'en ai marre de toi. Je te respecte beaucoup. Je ne peux plus tolérer ces bêtises que tu fais ici. Je n'accepterai plus tes conneries. Ça suffit, là. Comment tu oses entrer dans ma maison et humilier mon invité? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, déjà? Je suis le grand frère de ton futur mari. C'est quoi ton problème? Mais bébé... Non, ne me touche pas. Qu'est-ce qu'il y a? Parle à ton grand frère. Parle-lui. J'en ai assez toléré dans cette maison. À cause d'un verre, il ose insulter mon ami. Qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Grand frère Steven, pourquoi est-ce que tu peux l'humilier de la sorte devant son ami? Tu crois à ce que ta future femme raconte? Et donc tu veux me gifler? Alors qu'est-ce que tu attends? Gifle-moi! Grand frère, s'il te plaît. Ferme ta bouche et arrête de me raconter des bêtises. Ne m'énerve pas. Laisse-moi te rappeler que je suis ton grand frère. Je suis ton grand frère. Donc tu dois avoir un peu de respect pour moi. Regarde-moi ça. Elle me dit mon invité. Ton invité, mon œil. Elle ne peut pas t'inviter chez elle. Regarde-moi leurs perruques. Vos perruques. On dirait la tenue des masques. Bref, ça suffit. Je ramasse tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire, toutes ces bêtises, hein?
Je ne peux pas vous laisser gaspiller les biens de mon petit frère. C'est la richesse de mon petit frère. Wow. Bébé. Chérie, je suis désolé. Je sais que tu as parfaitement raison. Mais bébé, s'il te plaît, laisse tomber. Mais tu ne devais pas lui parler de cette manière. Tu connais mon grand frère avec sa manière de parler. Alors c'est moi que tu blâmes? Non. Il faut que tu parles à ton grand frère. Je ne peux plus continuer de supporter ton attitude envers moi et les choses qu'il me dit directement et indirectement. Je ne suis pas contre le fait qu'il me taquine. Il ne connaît même pas Diana, mais il est descendu et il a commencé à l'insulter. Et tu veux que je me taise? D'accord, je vais lui parler. Je vais lui dire de contrôler son langage, ok? Tu t'es arrêté et tu l'as regardé sans rien faire. Je suis vraiment désolé. Je ne voulais surtout pas l'énerver. Je vais lui parler. Il a fait tout cela en ta présence. Et tu es resté bébé, là sans dire mot. Je voulais tout simplement éviter qu'il se nerve plus. Je vais lui parler. Je vais lui dire de faire très attention à la façon dont il fait et dit les choses dans la maison. S'il te plaît. Je suis désolé. Bébé, s'il te plaît, ne sois pas triste. Essayons encore de lui accorder un tout petit peu de temps. Ne fais pas attention à ce qu'il dit. Ça va. Frère Steven, bonjour. J'ai besoin de la clé de la voiture. Je dois aller au boulot. Dis-moi, est-ce que c'est ta voiture ou la voiture de mon frère? J'ai besoin de la clé, je dois aller au travail, je suis déjà tu en retard. Tu ne prendras aucune voiture aujourd'hui. Tu ne conduiras aucune des voitures de mon petit frère. Ni aujourd'hui, ni demain. Tu penses que tu peux faire tout ce que tu veux dans cette maison? Dis-moi, c'est la maison de mon petit frère. Cette maison est à moi, donc je fais ce que je veux. Écoute, j'ai pas de temps pour écouter toutes tes histoires-là. Je suis en retard pour le travail. Je ne comprends pas tout ce que tu es en train de me raconter. Steven, je ne veux pas te manquer de respect. Donne-moi la clé de ma voiture, je vais aller au boulot. Écoute-moi très bien. Je suis le grand frère de ton futur mari. Si mon petit frère a peur de te dire de ne pas toucher à ses voitures, moi, le grand frère, je n'ai pas peur de te le dire, crois-moi. Oui, je n'ai pas peur de toi. Ousmane! Madame! Ousmane! Oui, madame. Où est la deuxième clé de la voiture? Ah, madame, quand j'ai fini de laver la voiture, je suis venu déposer toutes les clés sur la table ici, c'est la vérité. Larry! Larry! Chérie? Larry, je veux que tu descendes ici immédiatement! Chérie! Qu'est-ce qui se passe? Je n'en peux plus! Ton frère est devenu insupportable. J'en ai vraiment marre, là. Il m'empêche d'aller au travail, il a confisqué la clé de la voiture. Steven, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi est-ce que tu l'empêches de prendre la voiture? Hein? Steven, écoute, ça suffit maintenant. Il faut que tu arrêtes, d'accord? C'est à ton grand frère que tu parles comme ça. Hein? Assieds-toi ici. Assieds-toi là. Tu sais, tout le monde ici sait que moi, je suis ton grand frère dans cette maison. Laisse-moi te dire que cette femme essaie de te ruiner. Comment est-ce que tu peux la laisser prendre toutes les clés de ta voiture? Tu ne vois pas? Tu la laisses faire tout ce qu'elle veut dans cette maison. Elle n'a pas le droit, même pas le droit de toucher à tes voitures. Jamais. Elle n'est pas ta femme. Dis-lui d'aller chez ses parents, n'importe quoi. Là-bas, elle pourra le faire tout ce qu'elle veut et comme elle veut. Donne-moi cette clé. Hey! Ousmane, va ouvrir le portail. Hey! 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 C'est ici! Hey! Tu oses m'arracher la clé pour la donner à cette petite chérie, fille!
va prendre la voiture. Tiens la clé. Pars au travail. Ousmane, va ouvrir le portail. Ok, monsieur. Il est devant toi. Écrase-le. Écrase-le. Elle ne prendra pas la voiture. Laisse-moi passer, Steven. Je te dis de me laisser passer. Laisse-moi passer. On sort. S'il s'arrête devant toi, je vais sortir par l'autre porte. Elle ne touchera pas cette voiture. Non, non, écoute. Je vais te chasser de cette maison. Je vais te jeter hors d'ici. Elle ne touchera pas cette voiture. Écoute-moi bien, Steven. Regarde. Je n'aime pas du tout ce que tu fais. Tu m'entends? Qu'est-ce que tu fais? Regarde. Regarde ceci. Ouais. Oh. Ma chérie, s'il te plaît, est-ce que tu peux changer de place? Excuse-nous. Je veux parler à mon petit frère. Grand frère. Non, voyons. Non, je veux juste que nous ayons une conversation de frère. Demande-lui de s'élever. Grand frère, voyons, il y a de la place ici. Viens t'asseoir et discutons. Ah, est-ce que c'est difficile pour elle de se lever? Elle n'a qu'à se lever et aller de l'autre côté. C'est aussi simple que ça. Bref, petit frère, j'ai un problème très urgent. Un problème très urgent? Oui, et il faut que je le règle très vite. J'ai vraiment besoin d'argent pour résoudre ce problème. C'est ce que j'avais à te dire. Hein. J'ai juste besoin de 400 000. 400 000 Qu'est-ce que tu vas faire avec ces 400 000 Oui, mais qu'est-ce que tu vas faire avec tout cet argent? Non, attendez. Pourquoi tu me demandes? Dis-moi, est-ce que tu es membre de cette famille? Ah, ah, tu oses ouvrir ta large bouche et me demander ce que je vais faire avec cet argent? Tu es qui pour me poser cette question? Dis-lui, dis à cette gamine de fermer sa bouche. Elle n'a rien à dire ici. Tu la fermes pour de bon. Est-ce que tu es un membre de cette famille? Steven, je t'ai posé une question très simple. Pourquoi tu as besoin de cet argent? La question est aussi simple. Mais je lui ai donné une réponse très simple à une question stupide et idiote posée par une personne stupide comme elle, hein? Tu es une bonne à rien, espèce de sale profiteuse. Tu oses te mêler des affaires de notre famille. Steven, pourquoi est-ce que tu la traites de cette manière? C'est très méchant de ta part. Bébé, est-ce que tu as entendu ce qu'il a dit? Viens t'asseoir auprès de ton futur mari, hein? Allez, viens t'asseoir. Pourquoi on parle? Pourquoi est-ce que tu peux m'humilier de cette manière? Elle ne fait pas partie de notre famille, oui. N'ose même pas. Tu étais là quand il était en train de m'insulter. Tu n'as même pas ouvert la bouche pour parler. Et tu viens me demander de me taire. Et qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Que je le gifle? Tu voulais que je l'insulte? Ou que je me batte avec lui? Il est mon frère aîné. Tu sais quel genre de personne c'est? Je m'attendais à ce que tu me défendes en tant que mon petit ami. C'est ce que tous les hommes font pour leurs femmes, tu m'as compris? Tu étais assis là quand ton frère me traitait de profiteuse. Et qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as dit? Rien. Et tu oses me demander ce que tu dois faire? Vraiment? Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis terriblement désolé. Écoute, tu comprends maintenant pourquoi je ne voulais absolument pas qu'il vienne ici. Quand il m'a appelé pour me dire qu'il voulait venir chez moi, j'hésitais. Et c'est toi qui m'as convaincu de le laisser venir. Donc, tu es en train de me jeter la pierre? Ce n'est pas possible. Tu le sais très bien que je l'ai fait parce que je t'aime beaucoup. Tu sais que je l'ai fait parce que je te fais confiance pour me défendre dans ce genre de situation. Attends. Écoute. Ne pense même pas à me toucher. Larry. Larry. Qu'est-ce que tu as? S'il te plaît, couche-toi, chérie. Couche-toi. Je suis désolée. Attends, je vais t'apporter non, de l'eau. Bébé.
grand frère. Ma sœur. Voici un chèque de 400 000 naira. Je ne sais pas ce que tu comptes en faire, mais ce n'est pas un souci. J'espère que tu es satisfait maintenant. Ce que je te supplie de faire, Steven, s'il te plaît, laisse ma femme et moi vivre tranquillement. C'est tout. Et mon frère, ne t'en fais pas. Je suis prêt à le faire. D'ailleurs, si ta femme est là, je vais lui présenter mes excuses. Hein? Udoka Nwagboso, Udoka, Udoka Nwagboso. Maintenant, je vois bien où mon petit frère veut en venir. Je sais que tu n'es pas content de moi. Tu es fâché. Tu es fâché à cause de ce que je t'ai dit hier. Donne-moi ce chèque. Mon petit frère, laisse-moi te dire quelque chose. Hein? En fait, si je la vois maintenant, je suis prêt à lui présenter mes excuses. Je sais qu'elle est fâchée à cause de ce que j'ai dit. D'ailleurs, ça ne venait pas d'ici, ça ne venait pas de mon cœur. Je plaisantais, juste de la plaisanterie. Puisque tu viens de me rappeler ce que je lui ai fait, est-ce que je peux aller lui présenter mes excuses dans sa chambre? Elle ne s'est pas encore réveillée. Attends qu'elle descende pour lui présenter tes excuses. Je serai heureux si tu le fais. Tu veux juste que je lui présente mes excuses? Oui, présente-lui juste tes excuses. Je peux faire n'importe quoi pour qu'elle accepte mes excuses. Tu veux que je me couche par terre ou bien m'agenouiller devant elle? Tu n'as pas besoin de faire tout ça. Présente-lui simplement tes excuses. D'accord, d'accord. Tu sais quoi? Laisse-moi te dire quelque chose. Tu sais que nous sommes frères. Nous ne devons pas nous disputer. Je vais te dire quelque chose que tu ne sais pas du tout. Est-ce que tu sais que cette jeune fille, enfin, ce n'est pas elle seulement. C'est toutes ces jeunes filles. La manière dont elle prétend t'aimer beaucoup. Elle fait ceci, elle fait cela. Je vais tester cette fille. Je suis ton grand frère. Alors nous allons parler maintenant comme des frères. Tu sais quoi? J'ai dit toutes ces choses l'autre jour pour voir réellement quel est le degré et le niveau de respect qu'elle a envers moi en tant que le grand frère de son futur mari. Mais ce n'était pas mon intention. Honnêtement, ce n'était pas mon intention. Voyons, ne te fâche pas. Je te promets que je vais lui présenter mes excuses. Présente-lui simplement tes excuses. Je le ferai. Tu peux compter sur moi. Ok. Mais attends, attends, je vais donner le chèque à la banque et on va me donner l'argent. Oui, ils te donneront 400 000 naira. Tu peux te rendre à la banque. Est-ce que tu peux me donner 5 000 naira? Je veux 5 000 naira pour le transport. Okay. Je ne veux pas prendre un tricycle. Okay, je veux plutôt prendre un taxi. Je vais prendre un taxi qui va m'emmener à la banque tranquillement. Ah, Udoka Nwagboso. Ok. Ah, petit frère, qui a préparé cette nourriture? C'est ma femme. Oh, c'est elle. C'est elle qui l'a préparée. S'il te plaît, ferme. Ne mange pas. Je ne suis plus un enfant. Je connais son plan. Mange de la bonne nourriture. Mange ceci. J'ai préparé ce plat spécialement pour toi. Je sais que tu vas l'apprécier. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu veux savoir? Je sais ce que tu fais. Je sais que tu mets des potions, des filtres dans le plat de mon frère pour l'amener à te suivre comme un aveugle. Tu veux ensorceler mon petit frère? Est-ce que tu es en train de dire que je mets des filtres dans sa nourriture? Petite fille, c'est ce que j'ai dit. Je sais très bien ce que tu fais. Tu veux ensorceler mon frère, le seul frère que j'ai. Je ne te laisserai pas l'ensorceler en ma présence. Jamais! Allez, petit frère, mange. Mange tout. Je ne veux pas qu'elle te tue. Chérie, chérie. S'il te plaît, laisse-moi manger cette nourriture. S'il te plaît. Mange, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a dans ce verre? Ça ressemble à du sang. Mange tout. Qu'est-ce que tu en penses? Délicieux. Super, c'est ce que je t'ai toujours dit. L'homme peut aussi faire ce que les femmes font. Je sais bien faire la cuisine. Je ne vais pas laisser cette petite fille t'ensorceler. Finis de manger et bois ceci. Allez, mange. C'est pour toi que je suis venu ici. Bébé, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je m'en vais. Quoi? Voyons, chérie. Évite de me toucher! Ton grand frère est en train de me dire que j'essaie de t'empoisonner. Et toi, tu le crois? Chérie, ce n'est pas vrai du tout.
Bébé, vraiment? Tu te trompes. Je suis en train de me tromper? Oui. Tu dis que je me trompe? Tu le préfères plus que moi. Tu as mangé sa nourriture et tu me dis que je suis en train de me tromper? Bébé, écoute. Qu'est-ce que ça veut dire? Je crois à tout ce qu'il te raconte, malgré chérie, tout ce que nous avons vécu ensemble. Écoute, je voulais juste faire régner la paix, je te l'ai dit. Très bien. Mais tu m'as assez humiliée comme ça. Tu préfères ton grand frère plus que moi, après tout ce que nous avons vécu? Ok. Bébé, je n'ai pas voulu t'humilier. Je fais tout cela. Bébé, je attends, ne pas voyons. Que tu me touches. Bébé. Tu es malade? Bien sûr. Je savais très bien que ce stupide pauvre villageois allait finir par créer des problèmes entre toi et Larry. Ce monsieur est vraiment trop dégoûtant. Oh. Je savais que cela allait arriver. Depuis le jour où je suis allée te rendre visite. Ce monsieur est vraiment trop ennuyeux. Mais je ne l'accuse pas. C'est plutôt Larry que j'accuse d'avoir laissé cet insensé venir dans sa maison. En fait, j'ai réfléchi. Je veux dire, j'ai pensé à... comment il pourra vivre en paix en mon absence. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Qu'est-ce que nous allons faire? Je ne sais pas du tout. Je suis juste ici pour un moment, pour me rafraîchir les idées. Es-tu sûre que tu te sens à l'aise ici? Ou peut-être tu voudrais qu'on aille chez moi? La maison est assez grande, tu sais. Non. Je veux rester ici. Tu connais bien Larry. Je ne veux pas qu'il aille me trouver chez toi. Je ne veux pas que de telles choses arrivent. D'ailleurs, je ne veux pas qu'il sache où je suis. Non, Juanita. Fais-moi confiance. Je te soutiens. Juanita, je t'avais dit de faire très attention à cette relation que tu veux entretenir avec Larry. Mais tu ne m'as pas écoutée. Regarde. Regarde ce qu'il est en train de te faire. Je le sais. Où es-tu, Juanita? Où es-tu? Où es-tu? Je t'ai cherché partout. Mais je ne t'ai pas retrouvé. Juanita, reviens s'il te plaît. Reviens à la maison s'il te plaît. Un petit frère, tu as arrêté là comme un veilleur de nuit. Tu devais être là-haut dans ta chambre, en train de bien dormir. J'espère que tu n'es pas assis ici, en train de penser à cette fille stupide, bonne à rien et sorcière. Écoute-moi. N'ose même plus, n'ose plus jamais la traiter de cette manière. Tu m'entends? Bien sûr que c'est une sorcière. Tu te plains pourquoi? Tu veux laisser cette petite fille te tuer? Ce n'est pas seulement Temosol, c'est aussi Eva. Si je l'appelle sorcière, je sais pourquoi. C'est une sorcière. C'est une sorcière. Oui, je n'ai pas peur de le dire. Je suis ton frère aîné. Tu devrais être reconnaissant. Parce que je suis venu te sauver la vie. C'est du feu. C'est le feu qui te consume chaque jour. Je suis en train d'éteindre ce feu. Et tu te plains. Essaie de t'approcher du gaz et tu verras. Écoute-moi bien. Tu as vraiment dépassé les limites. Franchement, si tu pouvais te rendre compte de ce que tu as fait. Si seulement tu pouvais savoir ce que tu venais de faire et les conséquences que cela pourrait créer. Tu allais commencer à prier. Prier de toutes tes forces pour que cette jeune fille revienne. Tout ce que je sais et que je veux que tu saches, c'est que je n'ai rien fait. J'essaie juste d'ouvrir tes yeux. Ouvre un peu tes yeux. Lève-toi et fais face à tes responsabilités. Ne laisse pas cette gamine te commander. Hein? Petit frère, qu'est-ce qu'il y a? Non! Oh. Ne me touche pas. Méchant. Tu es sans cœur. Juanita, où es-tu? Où es-tu, mon amour? Où es-tu? Je t'appelle, mais tu ne réponds pas à mes appels. Personne ne sait où te trouver. Je ne peux rien faire sans toi, mon amour. Tu es mon seul appui. Tu es tout pour moi. Reviens, s'il te plaît. J'ai besoin de toi. S'il te plaît, reviens à la maison. Reviens, j'ai besoin de toi. Tu me manques. Je ne peux pas vivre sans toi. Juanita, mon amour, s'il te plaît, reviens à la maison. S'il te plaît, reviens.
S'il te plaît, reviens. Ma maison est vide, mon amour. Reviens, s'il te plaît, Juanita. J'ai besoin de toi, bébé. Je t'en prie, reviens, s'il te plaît. Reviens à la maison, reviens. J'ai tellement besoin de toi. S'il te plaît, reviens, j'ai besoin de toi. Reviens à la maison. Mon ventre. Mon ventre. Ousmane. 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 Mon ventre. Patron. Viens vite. Amenons-la à l'hôpital. Allez. Il a quoi, monsieur? Ousmane, tu es un médecin. Hein? Aide-moi à l'amener à l'hôpital. À l'hôpital? Non. C'est à la prison. N'importe quoi. Ousmane, sois un peu intelligent. Hein? Réfléchis un peu. Prends-le correctement, d'accord? Prends-le. Allez. Oui, oui, prends-le par ici. Monsieur, donne-lui de l'eau, s'il vous plaît. Ousmane, tu es un médecin. Emmenons-le à l'hôpital. Hôpital. Petit frère. Tu es réveillé? Comment est-ce que tu te sens maintenant? J'ai mal. Au bas-ventre. Ça va. Tu peux appeler le docteur? Ne t'inquiète pas. Essaie de dormir un peu. D'accord? Tu as besoin de te reposer. J'irai appeler le médecin plus tard. Repose-toi. Je vais aller le voir là-bas dans son bureau. Qu'est-ce qu'il t'a dit, le médecin? Rien. Peut-être que je vais aller le voir plus tard. Oh, le docteur est là. Oh, vous vous êtes réveillé. Comment vous vous sentez? Je sens encore le mal au niveau de mon ventre. Tout ira bien, ok? Docteur, vous avez fait des analyses et... Alors, dites-nous ce qui ne va pas exactement. Allez, suivez-moi, s'il vous plaît. Venez. Petit frère, couche-toi, j'arrive, ok? Dites-moi, quelle relation y a-t-il entre vous et le patient? Vous m'avez entendu l'appeler frère. Ça ne veut pas dire qu'il est mon frère en Christ, encore moins un ami proche. Ce jeune homme qui est couché là-bas est mon frère de sang. Est-ce qu'il a le VIH? Non, pas du tout. Il n'a pas le VIH. Monsieur Steven, vous devez garder votre sang-froid. C'est difficile à supporter. Peu importe ce qu'il y a, ne vous gênez même pas. Dites-moi, je vais comprendre. Après plusieurs analyses réalisées sur votre frère, Monsieur Steven, nous avons découvert qu'il a une insuffisance rénale. Insuffisance rénale, docteur? Oui, c'est très grave. J'ai appris que l'insuffisance rénale est une maladie très mortelle. Effectivement, c'est grave. C'est très grave d'ailleurs. Est-ce qu'il va mourir? Non. Non. Eh bien, vous devez commencer à chercher de l'argent. Et pendant ce temps, nous ferons une dialyse. Après cela, nous allons faire une chirurgie. Alors, tu dois agir le plus vite possible. Docteur, ne vous inquiétez pas. Je sais que je n'ai pas d'argent, mais mon frère en a en pagaille. Alors dites-moi, combien est-ce que vous voulez pour le soigner? Bien. Nous faisons payer à partir de 100 000 naira. Et étant donné que le patient est assuré, il va bénéficier d'une réduction de 50 à 30% de naira. Alors combien est-ce que vous voulez qu'on paye au juste? Est-ce 50 ou 30%? Vous allez payer 70 000 naira, monsieur Steven, c'est tout.
J'ai compris. Pas de problème. Nous ferons de notre mieux. Mais, docteur, s'il vous plaît, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour le soigner pendant que je vais chercher l'argent. Vous n'avez pas à vous inquiéter du tout, monsieur Steven. Faites-nous confiance. Vous n'avez qu'à aller chercher l'argent le plus vite possible. Ok, j'ai compris. Merci, docteur. Merci. Je vous en prie. Tu as l'air triste. Cela m'inquiète beaucoup. Qu'est-ce que le docteur a dit? Mais est-ce que je vais mourir? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a dit que tu souffres d'une insuffisance rénale. Quoi? Oui. Insuffisance rénale? Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Il a dit que tu seras guéri. Il a aussi dit qu'il va faire une greffe rénale. Il a dit qu'il fera de son mieux pour que tu puisses être guéri. Il a dit que... il a dit, en fait, il demande de payer 70 000 $. 70 000 dollars? C'est environ 25 millions de naira. Où est-ce que je vais avoir un tel montant, mon frère? Je ne comprends pas. Est-ce de la plaisanterie? Dis-moi la vérité. Ou bien tu me donnes un chèque pour que je parte l'encaisser rapidement. Le docteur a dit de ne pas tarder. Je lui ai dit que l'argent n'est pas un problème. Alors je crois que ces 25 millions ne devraient pas être un problème. Alors dis-moi tout simplement comment je peux avoir cet argent. Soit tu me donnes un chèque, soit l'argent en espèces. Il faut que tu me donnes ces 25 millions, que j'aille les donner au docteur. Il a dit d'insister sur le fait que le retard serait dangereux. Très très dangereux, je t'assure mon frère. Donne-lui cet argent pour qu'il commence le travail. Grand frère, je n'ai... pas cette somme d'argent. Je n'ai pas 25 millions de naira dans mon compte. Je n'ai même pas cette somme d'argent. Et 500 000 naira? Je n'ai pas non plus 500 000 naira dans mon compte. Et tu vis dans ce manoir? Tu conduis ces voitures de luxe? Non, 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 arrête de te foutre de moi. Donne-moi, dis-moi où je dois prendre cet argent. Montre-moi où je dois aller prendre cet argent. Arrête ce jeu, tu te fous de moi ou quoi? Je fais tout pour que le médecin te soigne. Et toi, tu te joues les pingres. Cette maison a été achetée par Juanita. La maison, les voitures. Et ce n'est pas moi qui les ai achetées. Tout ce que tu vois dans la maison, il n'y a rien qui m'appartienne dans cette maison. Tu es très stupide. Tu es très très stupide. Tu n'es qu'un idiot. Non mon frère. Alors c'est cette demoiselle qui a tout acheté. C'est elle qui t'a tout donné. Et tu la laisses sortir quand et comme elle veut. Et c'est elle que tu appelles ta femme. Tu es très stupide. Grand frère, comment tu peux dire une chose pareille? Comment tu peux parler de cette manière? N'est-ce pas à cause de toi qu'elle est partie? Tu sais très bien pourquoi elle a quitté la maison. Ne me dis pas ça. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu es un idiot. Si seulement toi, mon petit frère, tu étais ferme et strict comme un vrai homme, cette demoiselle n'allait pas quitter la maison. Tu ne dois même pas m'accuser. Regarde-toi. Je pensais que j'étais avec une bonne personne. Alors, à ma grande surprise, je me rends compte que tu es un flemmard. Et tu veux que j'aie compassion de toi? Laisse-moi te dire que cette jeune fille est partie parce que tu n'es pas un vrai homme. Je suis ton frère, alors je ne peux ni te renier, ni te décevoir. Bref, arrange-toi à trouver tout cet argent. Dis-moi où je peux aller prendre cet argent et aller le donner au docteur pour qu'il commence enfin ce travail. N'importe quoi. S'il te plaît, essaie de demander pardon à Juanita. Vas-y, s'il te plaît. Supplie-la de revenir. Supplie-la de te remettre cet argent. Elle reviendra. Demande-lui tout simplement pardon. Je dois demander pardon à qui?
Juanita. Juanita. Que je supplie cette jeune fille. Tu as perdu la tête. Non, ne me demande pas de faire ça. Après tout, je suis ton grand frère. Non, ce n'est pas possible. Jamais, je ne peux pas la supplier. Je refuse de lui demander pardon. Je dis non. Je refuse. Grand frère, tu veux que je meure? C'est ça. Tu veux que je meure? Bonjour. S'il te plaît. Je veux te dire quelque chose. Je me mets à genoux devant toi pour te demander pardon pour toutes les injures et toutes les humiliations. Pardonne-moi. Pardonne à mon petit frère qui est gravement malade et qui est en ce moment à l'hôpital. Il a besoin de ton aide. S'il te plaît, je suis venu te voir. S'il te plaît, pardon. Je te demande pardon. Est-ce qu'il est mort? Essaie de me comprendre. S'il te plaît, il n'est pas mort. Je te demande juste pardon, s'il te plaît. Regarde-moi, j'ai changé. Je suis maintenant une nouvelle personne. Pardon. En quoi est-ce que ça me concerne? Je croyais que tu ne voulais pas que je m'approche de lui. J'ai rompu avec lui, c'est fini entre nous. Tu as dit que j'ai essayé de tuer ton frère, vrai ou faux? Tu m'as accusé d'avoir essayé de l'ensorceler. Alors comment se fait-il que tu viennes t'agenouiller devant moi? Comprends-moi, s'il te plaît. J'étais ignorant. J'étais aveuglé. Mon petit frère m'a tout raconté. S'il te plaît, ne le laisse pas mourir. Pardon, viens au secours de mon frère. Je comprends. Maintenant qu'il est évident que ce n'est pas moi qui suçais le sang de ton frère, tu viens t'agenouiller. J'ai essayé par tous les moyens de te respecter, mais tu m'as humilié. Écoute, je n'accepterai pas cela. Ok? Que ton frère vive ou pas, ce n'est plus mon problème. Je ne suis pas Dieu. Je ne dépenserai aucun centime de mon argent sur lui. C'est toi qui l'écoutais toujours. C'est à toi de le sauver. S'il te plaît, tu sais que c'est moi qui te détestais, pas mon petit frère. C'est moi qui t'insultais chaque jour, pas mon petit frère. Aie pitié, l'erreur est humaine. Comprends-moi, s'il te plaît. C'est la dernière fois que tu composes mon numéro. Ne pense même plus à m'appeler. La prochaine fois que tu essaieras, je ne serai pas responsable de ce que la police te fera. Madame. Pardon. S'il te plaît. Udoka. Ok. Excusez-moi. Bonsoir. Désolé pour le dérangement. Tu es Daina, l'amie de Juanita, n'est-ce pas? Ne prononce plus jamais mon nom de cette manière. Combien de fois dois-je te répéter que mon nom c'est Diana, pas Diana? Bon sang! Est-ce que tu as perdu la tête, quoi? Non, je n'ai pas perdu la tête, désolé. Tant mieux. Pardonnez-moi, madame. Je vais très bien prononcer à partir de maintenant. Diana. Est-ce que tu es venue voir mon petit frère? Mon petit frère? Tu me demandes si je suis venue voir ton petit frère? Ton petit frère habite ici maintenant? Espèce de bouc villageois, pour ton information. Cet endroit est un hôpital où n'importe qui peut venir pour faire des examens médicaux, c'est compris, hein? Tu le sais maintenant. Oui. Bref, dis-moi, hein? Ton petit frère est dans cet hôpital? En fait, mon petit frère a été admis ici pour un problème de santé. Oh, vraiment? Oui, mais en fait, c'est juste que nous avons actuellement un sérieux problème d'argent. Vraiment? Oui. J'ai appelé ton amie, Juanita, pour voir si elle pouvait venir nous aider, mais elle m'a menacé au téléphone. Wow. En disant qu'elle me ferait emprisonner si je la dérangeais encore. Ah, je comprends.
Pourquoi est-ce qu'elle ne devrait pas te faire emprisonner après les pires humiliations que toi, le villageois, tu lui as fait subir? Je le sais. Je reconnais la voix humiliée à plusieurs reprises. En fait, en ce moment, Udoka est devenue une personne nouvelle. Je promets de ne plus jamais l'humilier. Eh bien, tu te confonds en excuses maintenant? Tu n'es qu'un méchant villageois. Je n'irai supplier Juanita pour rien au monde. Crois-moi, tu as commis une faute, alors tu l'assumes. Mais est-ce que tu peux au moins venir voir mon petit frère? Peut-être qu'il sera content de te voir. Est-ce que tu peux au moins venir voir mon frère? J'ai autre chose à faire, espèce de bouc villageois, n'importe quoi. Entre. Où est ce vilain jeune homme? Allez, suis-moi. Suis-moi. Voici les voitures. Celle-ci est bien en forme. Regarde bien, elle est nouvelle. Ce n'est pas une nouvelle voiture. Qu'est-ce que tu racontes? Ouvre bien tes yeux. À travers la peinture, on sait qu'elle est nouvelle. Honnêtement, je ne suis pas certain. Elle est nouvelle. Viens voir. Regarde bien. C'est... Où est-ce que vous l'avez achetée? Celle-ci. Elle vient d'où? De l'Amérique. Elle est venue de l'Amérique. C'est une occasion. Qu'est-ce que tu racontes, mon frère? Suis-moi. Suis-moi, mon ami. Regarde très bien. Même l'intérieur. L'intérieur est encore plus joli que l'extérieur. C'est une très bonne voiture. Vous êtes sûr que c'est une nouvelle voiture? Mon ami, c'est ce que je te dis. Elle n'a aucun problème. Je peux voir l'intérieur. Ne t'inquiète surtout pas. Je peux t'apporter la clé. Ok. Oui, je sais où la clé se trouve. Celle-là... elle n'a aucun souci. Elle ne consomme pas trop de carburant. Les pneus sont résistants. Ils sont en très bon état. J'espère qu'on pourra s'entendre sur le prix. Ah, ne t'inquiète pas du tout. On va bien s'entendre, mon ami. Crois-moi, oui, oui. Allons à l'intérieur. Allez, viens sur moi, on va discuter. C'est une très bonne voiture. Première catégorie. Ne t'inquiète pas. Ok. Petit frère, nous devons prier. J'ai amené un monsieur à la maison pour voir les voitures. Mais le prix qu'il m'a proposé, bien que ce montant ne suffira pas pour tous les examens, mais au moins, il peut permettre au docteur de commencer le travail. C'est juste une avance. Tu ne dois pas vendre ces voitures. Mais pourquoi? Dis-moi, est-ce qu'elles sont plus importantes que ta propre vie? Je dis ne vends pas ces voitures. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas à moi. Je te l'ai dit. En réalité, aucune de ces voitures ne m'appartient. Mais cela ne t'empêche vraiment pas de liquider ces voitures. Nom de Dieu, il faut liquider ces voitures pour te faire soigner. C'est aussi difficile. Ces voitures ne sont pas à moi. Elles ne sont pas à moi. Tu es une honte pour les sommes. Oui. Tu oses conduire des voitures dont les papiers ne portent pas ton nom. Et tu oses me dire que tu es un homme. Tu n'as rien du tout. Qu'est-ce qui est à toi? Tu n'as pratiquement rien. Tu n'as rien du tout. La seule chose que tu as, c'est ta vie. Et c'est cette vie que tu risques de perdre. Attends, pourquoi est-ce que tu m'accuses? Toi, mon propre frère. Tu m'as informé au téléphone que tu voulais venir chez moi. Et dès que tu es arrivé, tu as commencé à tout foutre en l'air. En plus, tu m'accuses d'avoir laissé ma femme quitter la maison. C'est toi qui as causé tous ces problèmes dans la maison. Tu ne dis rien de bon. Arrête de m'accuser. Tout cela est de ta faute. Tu n'es qu'un bon à rien. Crois-moi. Je t'assure que si jamais je te vois encore dans l'une de ces voitures, tu vas m'entendre. Comment est-ce que tu peux conduire une voiture qui n'est pas à toi? En plus, tu n'as pas de maison. Tu n'as rien à ton nom. Hein? Pourquoi tu es aussi stupide? S'il vous plaît, monsieur, il y a quelqu'un qui vous demande au bureau du médecin. Qui est cette personne? Madame Gold. Elle veut me voir? Oui, monsieur. Tu es sûr que c'est moi? Oui. Je vais voir qui me cherche. Mon ami, qu'est-ce que tu fais ici? Qui es-tu? En plus, tu oses croiser les pieds. Tu viens boire du jus dans la maison d'un autre homme. Tu n'as pas honte? Hein?
Ferme ta bouche. Tu es malade? Qu'est-ce que tu veux, dis-moi? Madame, je suis vraiment désolé. Je te demande sincèrement pardon pour tout ce qui s'est passé. Je reconnais que c'est moi qui t'ai offensé. Si tu ne peux pas me pardonner, essaie juste de pardonner à mon frère à cause de son état actuel. Pardonne-lui, c'est injuste d'amener un autre homme dans sa maison conjugale. Maison conjugale? Hein? Tu es sérieux? C'est ma propre maison. Je l'ai achetée à la sueur de mon front. Est-ce que tu veux que je quitte la maison pour toi afin qu'elle soit à toi? Quand ton frère mourra, c'est ce que tu veux? Madame, honnêtement, je n'arrive même pas à t'expliquer ce que j'avais ou ce qui m'arrivait. Je suis sûr et certain que je ne le faisais pas intentionnellement. J'étais simplement possédé par un esprit. C'est cet esprit qui me poussait à dire tout cela. C'était le diable. Bien sûr, c'est toujours le diable. Nous accusons toujours le diable pour tout ce que nous faisons. Dis-moi, qu'est-ce que tu cherches dans ma maison? Ok, madame... je suis venu prendre quelque chose pour ton mari. Combien de fois dois-je te dire de ne plus jamais l'appeler mon mari? Le seul mari que j'ai est ce beau gosse que tu vois. Très bientôt, nous allons commencer les préparatifs de notre mariage. Est-ce que tu comprends? Oui, madame. Très bien. Chérie, je suis vraiment désolée, d'accord? Désolée, mon amour. D'ailleurs, est-ce qu'il est décédé, ton frère? Non, il ne mourra pas. Je suis juste venu prendre quelque chose pour préparer l'opération. Ce n'est pas juste, ce n'est pas bien d'amener un autre homme à la maison pendant que ton mari est à l'hôpital. Oh, s'il te plaît, je me fiche de ce que tu es venu faire ici. Écoute, je vais te demander gentiment de monter et de faire sortir tout ce qui vous appartient à toi et à ton frère de ma chambre et même de ma maison parce que mon mari ne supporte pas de voir les biens d'un autre homme dans ma chambre. Alors, tu comprends? Fais sortir tout et ne reviens plus jamais. Est-ce que c'est clair? Mon amour, je vais te faire à manger. D'accord. D'accord. Merci, chérie. Dépêche-toi, chérie. Ok, chérie. Alors, comment va ton frère? Dans peu de temps, on va se marier. Oui. Je serai la femme la plus heureuse au monde. Juanita, attends, pourquoi? Fais monter les affaires. Monsieur. Allez. Pourquoi est-ce que tu me fais ça? Juanita, je t'ai couché à moitié mort à l'hôpital pendant plus de 2 mois. Mais tu n'as même pas pensé à venir me voir, ne serait-ce qu'une seule fois. Juanita, ce n'est pas du tout juste de ta part. Je ne pensais pas que tu allais me faire ça. Comment est-ce que tu as pu laisser ce qui s'est passé entre mon frère et toi gâcher notre amour? Je ne te comprends pas du tout. On s'est rencontrés, on s'est aimés, mais les choses ne se sont pas passées comme on voulait, alors on a rompu. Je ne te dois rien du tout. Pourquoi est-il aussi difficile d'évoluer, hein? De toute manière, je te présente mon homme. Il est si mignon. Allez chérie, souris un peu. Hein? Je ne pense pas qu'il puisse trouver cela amusant. Si je partais rendre visite à mon ex à l'hôpital, tu sais ce que ça veut dire? C'est fini entre toi et moi. Pour ton information, j'ai trouvé un homme qui ne m'insultera pas et qui n'ira jamais même jusqu'à laisser son frère m'insulter. J'ai trouvé un homme qui ne laissera pas son frère me traiter de profiteuse ou d'une bonne à rien. J'ai trouvé un homme qui me respecte. Alors... Je suis désolé, c'est ma faute. C'est ma faute. Je n'ai pas su assumer mes responsabilités. Je n'ai pas su te défendre quand mon frère t'insultait et t'humiliait. Je suis désolé. S'il te plaît, pardonne-moi. Juanita, pardonne-moi.
Mon frère. Viens, chérie. Mon frère. Qu'est-ce qu'on disait déjà? Désolé. On y va. Doucement, doucement. Ça va, doucement. Calme-toi, s'il te plaît. Redresse-toi. Doucement, doucement. Ne t'inquiète pas. Monte. Doucement. Vas-y, doucement. Je viens nous faire de beaux enfants, chérie. Attends, je vais te mordre. Attends, mais qu'est-ce que tu fais? Tu me rends si heureuse. Nous sommes faits l'un pour l'autre, chérie. Oh oui, c'est la vérité. Attends. Oh, Maz. Ça veut dire quoi, ça? Non, mais... Belle-sœur, bonjour. Bonjour, tu n'es pas censée faire ça. En fait, je venais prendre le balai pour balayer la maison. Laisse-moi t'aider. Désolé. Peut-être qu'en faisant ces petits trucs, tu vas finir par pardonner à mon frère. Udoka, qu'est-ce que tu attends? Hein? De toute façon, je n'ai pas le choix. Belle-sœur, bonjour. Je t'ai apporté ceci. Je sais que ça te plaît. Est-ce que je ne t'ai pas dit d'arrêter de m'appeler ta belle-sœur? Je ne suis pas ta belle-sœur. Et est-ce que je t'ai dit que j'ai besoin de jus? Ok. En fait, comme je te vois travailler depuis des heures maintenant, alors j'ai pensé que tu en avais besoin pour atténuer un peu la fatigue. C'est moi-même qui l'ai fait. C'est bien frais, ça te fera du bien. Où est-ce que je peux le poser? Pose-le sur ma tête. Est-ce que je t'ai demandé du jus? Pourquoi non, tu viens me déranger? Non. Tu te comportes comme un insensé. Je t'ai pas demandé de jus. Ah, mon père avait l'habitude de m'appeler ainsi. Quand j'étais enfant, chaque fois que je faisais une bêtise, mon père me grondait. Mais je ne me fâchais jamais. Tu peux m'insulter, belle-sœur. Ça ne me gêne pas du tout. C'est mon surnom. Où est-ce que je peux? C'est pour toi. Même étant au village, je faisais très bien le jus. Je l'ai fait spécialement pour toi. Dehors. Dehors? Mais... J'ai dit dehors!
Steven. Oui, madame, madame. Oui, madame. 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 Dehors. I wish I could turn them round and make it right. Yeah. If only I could turn back the ends of time. I could do. I wish I could turn them round and make it right. Mon ami, s'il te plaît, viens, on va se parler. S'il te plaît, viens. Je voudrais te dire quelque chose. Alors, qu'as-tu à me dire exactement, mon cher ami, je peux savoir? Mon ami, désolé, mais ce n'est pas que j'ai peur de te dire ce que je veux. Dis-moi, comment est-ce que tu peux venir vivre dans la maison de notre homme? Tu es venu t'installer, tu fais comme si tu étais chez toi. Tu as mis la main sur tout. Tu vas même jusqu'à prendre sa femme. Mon ami, tu n'as pas honte. Oui. Regarde dans la Bible. Tu verras le passage où il est écrit. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Ne les sépare pas. C'est Dieu qui les a unis. Trouve-toi une autre femme. Mon ami, ça m'est égal. En fait, c'est... Ce fut une grosse erreur de ma part d'avoir laissé ton frère et toi rester à la maison. Maintenant, écoute-moi. En fait, je crois qu'il est temps que nous vous mettions à la porte. Oui, et pour que vous puissiez retourner d'où vous venez. N'importe quoi. Pauvre idiot. Tu n'as même pas honte. Tu marches, on dirait, un affamé. C'est toi que je vais foutre dehors. Idiot. Tu ne peux pas nous faire retourner d'où nous sommes venus. Je te dis, détrompe-toi, mon ami. Tu reviendras me trouver ici. Tu vas m'entendre. Je vais m'occuper de toi personnellement. Je vais te montrer de quel bois je me chauffe. On trouvera un endroit où habiter. Ne t'inquiète pas. Ah ah. Regarde qui est là. Ah. Madame Gold. Madame Gold. Comment tu as pu nous retrouver? Bref, je voudrais en fait profiter de cette belle occasion pour te remercier. Je n'avais pas encore eu l'occasion de te remercier pour ce que tu as fait pour nous à l'hôpital. Grâce à toi, mon jeune frère, mon frère unique, a pu être soigné. Cela me va droit au cœur. Merci beaucoup, Madame Gold. Madame Gold, je suis allé plusieurs fois à l'hôpital espérant vous rencontrer et vous dire merci de m'avoir sauvé la vie. Je dis merci à Dieu d'avoir permis que je vous vois avant que le pire ne se produise et que je ne décède. Avant que tu ne décèdes? Est-ce que tu as eu un problème pendant l'opération, Larry? Non, pas du tout. Je vais bien. L'opération s'est très bien passée. Je rends gloire à Dieu. Mais pourquoi tu me parles de décès? J'ai l'impression qu'elle ne te comprend pas. En fait, la mort est souvent... Il est souvent préférable de mourir que de vivre avec une personne qu'on aime sincèrement.
Je pensais que, quand je serais à deux doigts de mourir, elle se dépêcherait de venir à mon secours. Mais ça a été tout à fait le contraire. Maintenant, je pense que j'aurais dû vous empêcher de dépenser tout cet argent. Vous aurez dû me laisser mourir à l'hôpital, je vous dis. Est-ce pour cela que tu quittes la maison? Ça ne doit pas se terminer de cette manière. C'est leur maison. Ce n'est pas ma maison. C'est sa maison à elle. Je veux tout simplement aller quelque part où je vais vivre et mourir en paix, avec un peu d'honneur et un peu de dignité. C'est elle qui a donné tout cet argent. Elle n'a jamais cessé de penser à toi. Elle a fait tout ce que tu sais, tout simplement pour que ton grand frère puisse prendre conscience. Qu'est-ce que j'ai raté? Oh, ma très chère cousine. Cousin? C'est ton cousin? Oh oui, c'est mon cousin. C'est un garde du corps. C'est moi qui l'ai engagé pour faire ce travail, tu vois. Tout a commencé quand Steven m'a parlé de ta maladie. J'ai reçu une mauvaise nouvelle de Larry. Larry est tombé malade. Je ne connais pas la maladie. Cela ne te regarde pas du tout. Je pensais que tu comptais les expulser de ta maison pour mieux t'installer, hein? Non. Je l'aime encore. En fait, j'ai rompu avec lui à cause de son frère. Je me suis séparée de lui, espérant qu'il prenne conscience. J'ai rompu avec lui pour qu'il sache réellement quel genre de personne son frère est. Sinon, je l'aime encore. Alors je ne dois pas l'abandonner alors qu'il est malade, tu vois? Alors, qu'est-ce que tu comptes faire finalement? Comment puis-je t'aider? Je veux que tu ailles à l'hôpital et reviens me dire ce qui ne va pas. Il faut chercher à savoir ce qu'il a exactement, mais s'il te plaît, fais en sorte qu'il ne sache pas que tu es venu à l'hôpital, d'accord? Je ne veux pas qu'il sache ce que je fais. Tu sais que je ferai tout ce que tu me demandes, Juanita. Tu peux compter sur moi. Ok, je dois y aller, ok? À plus tard, ok? Merci. Pas de quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas bon du tout. Il souffre d'une insuffisance rénale. Il a urgemment besoin d'un rein, tu vois? Quoi? Quoi? D'où est-ce qu'il a attrapé ça? Il ne souffre même pas. Il ne... Mon Dieu. Ok, alors, combien est-ce qu'ils ont demandé de payer pour le traitement, hein? Je leur ai demandé... Et ils m'ont dit que l'opération va coûter 70 000 $. Et il a besoin d'être opéré urgemment. 70 000 $? C'est beaucoup d'argent! Je vais tout payer. Tu vas donner cet argent? Oui, je le ferai. Tu veux que ton stupide grand frère t'insulte et t'humilie encore, hein? Je crois que cela va lui servir de leçon. D'ailleurs, je pense que si je le fais, ils n'auront plus le culot ou l'audace de m'insulter. S'il te plaît, je ne peux pas le laisser mourir. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Bon. Je pense que je vais... En fait, je compte retourner à la maison. Et je souhaite que tu m'aides à faire cela. À trouver un homme aussi. Un homme qui se fera passer pour mon futur mari. C'est très intéressant ce que tu es en train de me dire là. C'est le moment de donner une très bonne leçon à ces stupides villageois. Bien, pour ce qui est de l'homme, ne t'inquiète pas. Je m'en occupe personnellement. Bien, je dois y aller. On se reverra plus tard, ok? D'accord. D'accord. Merci, ma puce. Je t'en prie. Mmh.
J'étais vraiment bouleversée et j'avais peur de te perdre. Et je savais aussi que s'il t'arrivait quelque chose, j'en mourrais. J'avais besoin d'une autre femme pour m'aider à te sauver la vie. Alors j'ai dû faire appel à Madame Gold pour accomplir cette mission. Eh bien, comme vous le voyez, j'ai dû faire appel à mon cousin, George, pour qu'il se fasse passer pour le nouveau petit ami de Juanita. Elle n'a jamais cessé de t'aimer, crois-moi. Elle a toujours fait tout ce qui est en son pouvoir pour que tu sois heureux avec elle. Ah, Larry, tu étais censé protéger ta femme comme un homme. Mais tu ne l'as pas fait. Tu as failli à ton devoir en tant qu'homme. C'était juste une mise en scène, frérot. Je n'avais absolument rien du tout à faire avec ta femme. Tu sais, il est clair que je suis un professionnel en la matière. Alors, tu comprends maintenant? Je te conseille de cesser de te comporter comme un bébé. Écoute-moi, il va falloir que tu cesses de rêver. Tu sais, absolument tous les hommes rêvent d'avoir une belle femme comme celle que tu as. Alors je te suggère de l'aimer, de la chérir et de la protéger. Sinon, tu vas la perdre. Pour toujours. Tu peux me croire, mon frère. Ok? Alors, toi, Steven, arrête un peu de te mêler des affaires des autres, tu comprends? Occupe-toi plutôt de ce qui te regarde. Car ça va tourner et tourner et te revenir en pleine face. Et tu as compris? Hein? Et c'est un petit conseil pour toi, d'accord? Belle-sœur, il a tout dit. Je te demande sincèrement pardon. Mon intention n'est pas de vous séparer. Je suis vraiment désolé. Je reconnais t'avoir offensé. S'il te plaît. D'ailleurs, je vais aller faire mes bagages et retourner au village. Oui, je te laisse avec mon petit frère. Si Dieu veut bien que vous deux vous réconciliez, que son nom soit glorifié. Quant à moi, je retournerai au village. Je suis vraiment désolé. Je savais que tu étais la seule personne qui pouvait venir me sauver la vie. Je suis désolé. Je suis désolé, moi aussi. Je savais que si quelque chose t'arrivait, j'allais mourir. Je suis vraiment désolé. Je suis désolé. Je t'aime. Je t'aime.